Cette fois-ci, je me mets à poil, je pose mes couilles sur la table et je vous emmène à la pêche. Votre mission, c'est de me trouver un challenge. Ma mission, c'est de le relever. J'espère que vous êtes prêts, les gars, parce que moi, je le suis. Salut les amis, on se retrouve pour le tournage de Mission Impossible 11. Donc je vous rappelle la mission que vous m'avez fixée, c'est de prendre 5 brochets avec des leurres de surface ou subsurface. Il y a un petit truc qui a été rajouté là, l'histoire du short hawaïen. Il faut que j'essaie quand même d'éviter de prendre des brochets non maillés parce que je vais devoir finir en short. Voilà, ça c'est... C'est un petit détail, mais il fait un petit peu frais, donc j'y tiens pas nécessairement. Ou alors j'essaierai de le prendre en plein milieu d'après-midi et pas au premier lancer ce matin, quoi. Ça m'arrangerait, voilà. Donc on est dans la vallée de l'Oise, sur un petit plan d'eau, là, qui a l'air très chouette, très sauvage. Donc on va aller voir si on peut choper 5 brochets avec des leurres de surface ou subsurface. Donc j'ai amené aucun leurre, c'était un peu l'idée. J'ai pas amené de matos, c'est ton matos JB. Et donc tu m'as préparé 2 boîtes avec principalement des leurres dures. J'ai du slider, par contre tout est flottant hein, du coup. J'ai du slider, du fatso, du sweeper, des poppers. J'ai le nouveau Ratlin stick aussi que je vais pouvoir essayer à des moments. Ça par contre ça risque de faire des petits, mais bon, on va voir. Et puis j'ai le droit au leurre souple shallow, quoi, non plombé ou très peu plombé. Donc j'ai un ou deux répliquants shallow, des choses comme ça. Voilà. Donc on va aller essayer d'attraper des brochets. Qu'est-ce que tu fais là? Là j'écrase mes ordillons, voilà, j'écrase tout parce que, pour plusieurs raisons. Déjà la tradition en Mission Impossible c'est que je me les mette dans les doigts. Pour gagner du temps. Donc là vu les crochets de boucher, je vais un peu éviter. Et c'est surtout pour pas abîmer les poissons. Donc voilà, on n'est pas un de plus un de moins et je pense très sincèrement qu'on n'en prend pas moins avec les ordillons écrasés. Donc j'invite tout le monde à le faire, c'est quand même drôlement mieux pour les poissons et pour les doigts au cas où. Allez go. Surtout pour les doigts. Ouais. Là on juste en face d'où on démarre, là il n'y a pas d'eau. Enfin il n'y a pas d'eau, il y a 1 mètre, même pas, 80 cm. C'est un grand plateau. Donc je démarre tout doucement là-dedans au fatso, avec le gros fatso, là voir si ça veut bien passer au-dessus des herbes. C'est joli, c'est très très clair. C'est incroyable, c'est de la vitelle. Donc le fatso, je le ramène tout doucement au moulinet, sans animer en fait. Et là, il ondule, il déplace énormément d'eau juste sous la surface. D'ailleurs, dès que je m'arrête, hop, je reprends la surface. Donc ça nage même le gros là, il nage à 30 cm sous l'eau. Tout doucement, c'est vraiment chouette, très joli. Donc je fais quelques lancers là dans cette partie là, voir à quoi ça ressemble et puis on va traverser parce que la rive en face est vraiment belle, il y a des branchages, tout ça, ça me donne envie quoi. Ça m'appelle par là-bas. Il a pris à l'impact. Quand le fatso a touché l'eau en fait, il y a eu un énorme remous. Il m'a pris à l'impact du leurre. C'est pas gros, j'espère que c'est maillé. J'ai pas envie de commencer en short. Ça va, c'est maillé. Doucement, petit coquin. Allez, la peinture. Voilà. Tu l'as même pas sorti? Bah non, c'est pour ça que j'ai enlevé les ardillons, c'est pour les Mais il compte pas, hein. Ok, bah moi je veux bien continuer avec ça, ça me va. Hein. Mais compte pas. Faut que tu le sortes. D'accord, ok. Quel nier. Faut les sortir de l'eau en plus. Bah quand même quoi, je sais pas, parce que je vois bien que t'as pas pris d'épuisette. Bah non. Ça faisait combien ça? 80. Je suis blasé. Un peu plus je pense. Peut-être un peu plus. Ah, t'as trop cru qu'à midi c'était fini toi. C'est l'appel de la... C'est ça, quand t'as des touches au premier lancer en général. C'est l'appel de la gigue de chevreuil qui dit ouais. Qui fait ça. C'est une belle action.
Le truc a touché l'eau, il est à l'impact en fait, j'ai dû le surprendre. Attaque réflexe, bam. Ouais. Belle action. Bon. Ah, il est pris dans la bouée. Il s'est accroché dans la bouée, cet idiot. Tu l'as vu, non? Ouais, je vois. Bah, il est accroché dans la bouée, regarde. On voit la queue. Ah, ça va encore être un grand moment de Mission Impossible, ça. Il est pris dans une nasse. Enfin, le triple doit être pris dans la nasse. Ça va encore être un grand moment de Mission Impossible. Oh, le type. Il est pris dans un piquet en bois. Ah, ça y est. Il est ressorti. Allez, je vais le mettre à l'épisode. Il y a une bouée. Oh. Il y a une bouée, type. Voilà. Allez. Épuisette de nain. Eh, je reviens du perche pro, les amis. Alors, j'ai une épuisette à perche. Hein. Alors, voyons cette histoire. Voilà, un petit broc au Fatso, donc Fatso 14. Faut pas avoir peur de mettre des growlers en fait. Le Fatso 14, il bouge beaucoup d'eau, mais ça prend pas que des monstres, la preuve. Mais c'est un beau poisson, il est en bonne condition, on va le remettre à l'eau. Hop! Allez, file! Alors, 2, 1. Fatso! Fatso 14 flottant. On est bon. Ah, ce coloris est énorme. Ah, Emerald Perch, c'est vraiment un de avec mes favoris. Les petites paillettes dessus. Il est très naturel. Très très joli. Dans cette eau très claire, en fait, il est bien. Mais attention, même dans l'eau claire, un coloris FT par exemple pourrait marcher très très bien. D'ailleurs, je vais mettre un slider. Ouais, du coup. C'est con, hein. Oui, bah je commence par les valeurs. Trois touches. Non, mais ça, j'adore ça en fait, celui-là. Trois touches au en fait, on a la chance. Il y a quand même la chance chez Salmo d'avoir le slider, le Fatso et le sweeper qui sont trois vrais vrais bronleurs. Donc du coup, c'est pas une punition quoi. Tu es en train de me ruiner tous mes hameçons. C'est pas ruiner un hameçon sans ordillon. C'est comme ça que ça devrait être dès le départ. Bah ouais, je pêche à la mouche. Et bah alors, tu le sais bien. Il me plaît bien ce chalot là. Alors ça, c'est une animation complètement différente, le slider. Il y a deux trucs. Il y a deux animes. Il y a ça là, tout doucement, pour lui faire décrire des grands S. Et après, il y a une animation qui est redoutable aussi, qui est tout droit, tout linéaire. Et là, il fait des grands S tout seul, tout doucement. Ça, c'est très, très bon aussi. Mon truc vraiment favori, c'est tout droit. C'est tout droit comme ça. Et là, il fait des grands S, tout doucement mouliné. C'est le leurre le plus simple à utiliser. Et aussi un des plus efficaces, hein, évidemment. Alors le slider animé, c'est aussi top, justement pour pêcher ce genre de spot où tu veux que ton leurre reste longtemps dans la même zone. Tu sais, à côté, par exemple, là, il y a un arbre noyé dans l'eau. Et je veux laisser au poisson le temps de sortir. Bah, du coup, je vais pouvoir mettre des petits slides, enfin des petites jerks comme ça. Et je vais rester longtemps au-dessus de l'arbre. Comme il fait quasiment des virages à 90 degrés, je vais peut-être mon temps de pêche effectif près de l'arbre va être de vraiment plusieurs secondes. Donc ça permet de ralentir vraiment l'action à l'extrême. Hop, hop, boum! Ah, je l'ai vu arriver. Il est arrivé de par en dessous, il a coffré le slider. Bah d'ailleurs, il s'est pris au lasso, tu vois. Voilà, sauve-toi. Il comptait pas. Regarde derrière. Ah, dégage. Regarde la taille du sifflet. Il était pas baillé. Non, ça va, il fait bon maintenant, je m'en fous. Je vais enlever le... J'ai essayé au FT, j'ai eu qu'une touche. Je vais quand même changer. Le troisième leurre emblématique de Salmo pour le broc, toujours avec cette action un peu jerk là, c'est le sweeper. Énorme leurre aussi. En 14, là, c'est vraiment... Bon, le 10, c'est très bien, on va dire. Mais j'aime beaucoup le 14 aussi. Là.
l'hameçon ventral, parce que lui, il est important. Le ventral, ils le prennent vraiment souvent. Ils sont souvent piqués avec celui-là. Et du coup, c'est important de bien écraser à cet endroit. Voilà. Allez. Ça, c'est bien. Ça réclame plus d'animation que le slider. Mais c'est un très, très bon leurre aussi. Pareil, hein. Même grosse caractéristique commune entre sweeper, fatso et slider, c'est que les trois se lancent excessivement bien. En fait, c'est une caractéristique commune au leurre Salmo sans billes, c'est que comme ils sont faits en résine, c'est une résine vraiment dense et hyper solide, et du coup ça fait des leurres qui partent très très loin, quoi. Ils sont très compacts, qui se lancent très bien, et qui sont indestructibles au passage. Alors c'est assez marrant cette résine parce qu'ils la font dans des... c'est préparé en toute petite quantité, ils mettent dans des gobelets, ils mélangent, c'est à plusieurs composants, enfin à deux composants. Et du coup ils sont obligés de la préparer en petite quantité, donc c'est tout fait à la main, tout mélangé. Et avant que les leurres soient peints, en fait il y a 3 ou 4 couleurs de résine différentes. Alors je me suis demandé à quoi ça servait, et en fait c'est juste un moyen de traçabilité pour savoir qui a coulé les leurres. Et ensuite, ils sont mis à sécher pendant plusieurs mois parce que autrement, ça produit des micro-bulles d'air, c'est-à-dire qu'il y a des grands séchoirs comme des séchoirs à tabac ou à saucisson. C'est pour ça que j'étais vachement attentif au truc. Et en fait, ils sèchent, les gros leurres par exemple, sèchent au moins 6 mois dans des séchoirs avant de pouvoir être peints. Parce que sinon, il y a des micro-bulles qui se relâchent et qui font cloquer la peinture. Donc c'est tout un procédé, c'est assez intéressant. C'est vraiment pas gros. Hop, il y est, tu vois, je l'ai pas serré. Tu l'as vu l'attaque ? Dis-donc, toi. Oui. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai rincé ma canne parce qu'elle était toute sale. Ouais, sûrement c'est la mienne et il l'a jetée. Il l'a jetée au fond de l'eau. Je crois que j'ai rentré le nœud raccord sans faire exprès dans les anneaux. Et quand j'ai voulu jeter, il s'est accroché et elle m'a glissé des mains. Mais j'ai du réflexe. Ah ouais, j'ai jamais ouais. perdu une canne. Un bon coup d'épuisette. J'ai jamais perdu une canne. Je vois pas pourquoi ça commence maintenant. Regarde, ça fait 15 jours qu'il pêche non-stop, il y a plus de force dans les mains. Encore une belle action, quoi. C'est ça. Bon alors, avec cette confiance, là, eh ben, ouais, on est en train de faire un petit tour du plan d'eau pour essayer de trouver des poissons, parce que là, pour l'instant, on trouve rien. Ça fait une heure et demie que t'as pas pris une touche. Ouais. Bah, du coup, on essaie différents trucs. Là, il n'y a pas d'eau, il y a 30 cm. On va voir s'il n'y a pas des poissons qui traînent par là. Et sinon, on va retourner où c'est un petit peu plus profond. Mais là, c'est vrai que c'est difficile, ouais. Tu pêches à quoi, là? Voilà, j'ai mis une réplique en chalot, tu vois. Canot, haute, il brasse la surface. Je passe dans 20 cm, là, sans problème. Alors, et ben un petit broc au répliquant chalot. Hop. C'est pas gros mais ça fait plaisir parce que c'était difficile là. Ah, ça fait un bon 1h30, 2h sans ouais, touche. Il se passe rien. T'es sûr qu'il est maillé, hein? Bien sûr. Je t'aurais bien vu avec le short, moi. Bon, je peux mettre le short si tu veux. Hein. Ah, c'est marrant, il y a une belle coloration un peu bleue là sur le dessous de la gueule. Vert et bleu. Voilà, hop. Alors, frère, tu l'as fait avec quoi? Alors, avec ça. Oui. Un tas de boue. Je l'ai fait avec le répliquant chalot, coloris supernatural perche. Bon, ça en fait deux.
Ouais. Ça, c'est un petit slider floating. Hop. En 10 cm. La pêche est un peu dure, alors je vais essayer avec un leurre pas trop gros qui nage ben, là aussi juste sous la surface. Hein. Voilà, mais c'est une petite action de slider qui me plaît bien. Voilà, il n'y en a plus, il y en avait un, mais je l'ai pris. Ah bah tiens, ah bah si, il y en avait un. Il est là, regarde, regarde, tu le vois, attention à l'attaque. Et voilà. Ah, je vais mettre mon short. Ah, c'est maillé ou c'est pas maillé ça? C'est quoi la maille d'ailleurs? 50. C'est 50? Ah, oui, oui. Moi, je vais me mettre en short quand même, pour le sport. Ou alors je le décroche comme ça, non? Ouais, c'est un 55. Allez, petit gars. Hop. Bon, bah, il m'aura fallu un lancer au slider. Au slider 10 flottant. Bon, ça c'est fait. Et du coup, ouais, ça commence à être tendu là. Répliquant c'est fait, slider c'est fait, fatso c'est fait. Sweeper, je vais revenir au sweeper. Parce qu'il n'y a pas de raison que j'en ai pas pris au sweeper. Donc on va faire ça. Je vais mettre mon short hawaïen. Petite saucisse au sweeper. C'est maillé? Oui. Sinon tu retires le short. Oui, bon, je peux, hein, ça me dérange pas. Ta-da-da-da-da. Je suis plus à ça près, attends, j'ai chopé une pince. Mais décroche-le avant de retirer le short parce que quand t'es à droit. Un petit poisson au sweeper. C'est pas bien gros, mais c'est toujours ça. Hop. Allez. Bon, c'était maillé, ouais. Oui, quand même. Donc, il t'en reste un? Il m'en reste un à faire, ouais. Là, par contre, ça commence à... Non, ça peut être au prochat sur un shallow rig, par exemple. S'il y en a un de près, là. Tiens donc. Ça peut être là-dessus, ouais. Ça devrait marcher aussi. Et puis, pour le sport, je vais quand même en essayer au leurre de surface, mais un peu plus tard, en soirée. Allez, bon, un apéro avant. Exactement. Donc du coup, je vais changer de canne, je vais le mettre sur une canne plus longue pour mieux le lancer, parce que c'est quand même pas lourd par rapport à un poisson nageur. Donc je le mets sur la swimbait spéciale, elle est un peu puissante pour ça, mais ça va le faire. Hop. Bon, bah, il va se faire ferrer là. Attends, il est mal piqué, non? Non. J'ai vu qu'il était... Lui, bon, c'est comment? Possible qu'il lui... Ça. Il va lui arriver des misères, lui. C'est possible qu'il lui arrive des bricoles. On va voir ça. Allez. Tiens, il est parti tout seul. Il était mal accroché, dis donc. Tu l'as perdu? Ouais. Mais non. Mais oui. Et nier, espèce de nier, on en a qu'un. C'est vrai? Je crois qu'on en avait plein, moi. Attends, on va aller voir où il est tombé. Mais non. Mais non, on va le récupérer. C'est bon, t'inquiète. Oh là là. J'ai bien récupéré. T'as mis une agrafe? Bah ouais, non, ça va pas casser à la grafe. Hein. Je devais avoir une merde dans la tresse. C'est toi qui me l'as saboté. Non, mais je la vois, la tresse, on va le récupérer. J'ai jeté tout doucement, je comprends. C'est ça, ouais. Bon alors, tu as perdu mon leurre encore? Ouais, et là on va essayer de transformer un harnais. Tu mettras de la crème sur tes cuisses parce que là je vois que... Je suis rosé à l'arête. C'est un chouïa plus court, mon. Je les porte un peu plus saillants. Et... Enfin c'est surtout qu'ils sont normalement un peu plus larges. Ouais, ça. Je t'emmerde. Alors tu vas mettre quoi sur ton truc? Eh ben, je vais prendre le harnais le harnais double du répliquant shallow et je vais mettre un pro grub en 16 à la place. Je le remets juste dans l'anneau brisé, terminaux. Je vais enfiler mon pro grub dessus là, je le visse. Tac. Voilà. Le lest, je le pique dans le ventre.
Et puis ça va... Soit je le laisse pendre comme ça, soit je le pique légèrement dans la matière, là, derrière. Je peux aussi le mettre comme ça. Je vais le laisser pendre parce que je passe vraiment au-dessus des herbiers, ça ne me dérange pas. Et comme les poissons sortent des herbiers et arrivent par en dessous, ça fait qu'il n'est pas trop mal placé au final. Voilà, on va essayer ça tout à l'heure. Là, on va faire une pause pour casser la croûte et puis on va... On va essayer ça après. Hop. Bon ben voilà, on va reprendre gentiment, il n'y a pas de bonheur. On a fait une petite pause épaules de chevreuil, légumes rôtis, truffes et je sais pas quoi. Donc on a un peu profité de la gastronomie locale et... On a même pas dormi. Non, on a fait peut-être une petite sieste d'une demi-heure, mais alors vite fait. Et voilà, du coup on s'est pas mis le stress. Et il y a trop de vent en plus donc du coup. Il y avait beaucoup de vent, c'est des grosses rafales, c'est pénible. Donc on va reprendre ça, je vais essayer de faire un coup de l'heure de surface ce soir, mais en attendant je vais essayer de faire le cinquième au Pro Grub, voilà, avec un montage shallow, donc pour rester dans la thématique de la mission. Donc on est parti avec ce petit montage shallow, on va essayer de faire les dessus d'herbier, les bordures de cassan là, et puis voilà, on va essayer de prendre le cinquième comme ça, et puis je vous dis, si j'y arrive, eh ben, on va se garder une heure ou deux ce soir au coup du soir, pour essayer de mettre un petit coup de l'heure de surface ou un gros coup de l'heure de surface, on verra. Voilà, allez, feu. Ben voilà, au Pro Grub sur un montage shallow, et je l'ai juste pitché dans les branches en le laissant couler tout doucement, en mettant des petits à-coups pour le faire tressauter un peu. Et puis l'eau étant très claire, j'ai vu ce brochet sortir et venir aspirer mon Pro Grub et se retourner. Je l'ai ferré modestement parce qu'il n'est pas gros. Et voilà, donc c'est le cinquième. Piqué juste au bord. Ça tenait à pas grand chose, hein. Oh, je vais pas reperdre une canne, non, ça suffit. Là, normalement, il devrait se déchirer tout seul. Si ça se passe bien. Même pas. Bon, c'est pas grave. On va l'attraper. Voilà, un petit broc. Qui était caché dans son arbre. Beau petit poisson. Eh ben écoute, voilà, ça c'est fait. Alors pour la beauté du geste, on va quand même essayer d'ici une heure ou deux de en faire un en surface, ce serait bien. Là, le vent est tombé, ouais. On devrait le faire. Donc on conclut pas tout de suite, malgré qu'on ait fait 5 poissons sur 5 leurres différents. Et d'ici une petite heure ou deux, là, on va faire du tchac-tchac bon. En surface. On va à l'apéro alors. Bon là, franchement, j'ai pas très faim avec ce qu'on vient de se mettre. Allez, Dédou.
belle touche en live. J'ai vu l'aspiration du buzzer. Superbe. Allez, viens là. Ouais, mais qu'est-ce que t'as mis comme le espèce de gros naze. Ah là, j'ai triché, j'ai mis un chatter parce que il me semblait pas que ce qu'on avait fait dans les dans le shallow, ça fonctionnait trop. Donc j'ai voulu vérifier avec un chatter. Et du coup, j'ai eu une super action, je l'ai vu arriver doucement derrière. Il a mis une accélération, il l'a aspiré, j'ai laissé tourner, j'ai ferré. Et ça fait un super poisson. Mais il compte pas. Mais c'est pas grave qu'il compte pas, moi je suis content, je l'ai pris, ça fait une belle action. Et j'ai l'image dans la tête quoi. C'est ça va. Bah. Top avec ton image. Topissime. Voilà, mon combo qui me réussit bien. En fait, j'ai mis un chatter pour pêcher justement à l'aplomb des frondaisons. Et j'ai mis un gros grub pour avoir cet effet parachute qui ralentit en fait la chute du chatter. Parce que là, à 17 grammes, c'était un peu, ça me paraissait un peu lourd pour tomber tout doucement dans les frondaisons. Et du coup, avec cet effet parachute, ça me permet de ralentir énormément le chatter à la descente. Et j'ai une phase de pêche qui est rallongée un petit peu en fait. Hop, en tout cas, il est bien fat. Hein. Le soleil disparaît 2 minutes. Je pense qu'il est fait. Attention, il bouge. Il va bouger. Oh là là. Ah, il m'a chopé le bras avec le. Il m'a chopé le bras, regarde. Voilà. Alors, le zéro qui n'est pas tout à fait au bout. Non, il fait pas 100, il fait 98. 98. On récolte. Ça reste un super poisson. Il a mis de l'eau plein l'objectif. On va relâcher rapidos. Allez, t'es prêt? Relâche. Ah, je me suis fait violer. Continue avec ton chatter de merde, tu comptes pas. Ouais, je m'en fous que ça compte pas. J'ai eu une action fantastique. Fantastique action. Ah, je l'ai vu prendre. Génial. Je l'ai vu prendre au ralenti. J'ai le truc en slow motion dans ma tête. Exceptionnel. Même action, une frondaison. Donc j'ai donné de la profondeur avec le grub en parachute, petite accélération, et là je l'ai vu sortir doucement, il a accéléré, il a ouvert le four, il a tourné, j'ai ferré, et voilà. C'est un ours. Et là il y a un ours. Cool, une action de folie. J'ai revécu en fait l'action du 98 d'avant une deuxième fois, exactement la même chose. Bon, bah, oh, c'est cool. En fait, voilà, on s'est escrimé à pêcher shallow là, alors que ça correspond pas à l'action du jour. Donc, faut toujours se mettre le moins de barrières possible. Et s'ils sont pas au milieu sur les herbiers, sur la pêche shallow qu'on a fait, bah, c'est peut-être qu'ils sont justement calés sous les frondaisons et que c'est ça la technique pour les attraper. Et avoir cette action de chute en parachute sous les frondaisons, enfin, au moins à ras des frondaisons. Bah avec un montage shallow, on peut pas l'avoir. Alors le montage shallow, il est redoutable dans plein de situations, mais c'est pas non plus toujours la solution, quoi. Et là, on dirait bien que la solution, c'est un peu la chute en parachute le long du truc. Petite pince, non, même pas. Je le tente avec les doigts, celui-là. Non, non. C'est bon. Tiens. Non, c'est bon, regardez le bord. Donc toujours le même combo, hein. Un chatter en 17 grammes, donc c'est le moins lourd que j'ai, avec un grub en 12. Ouais, mais on a dit que le chatter, ça comptait freine... pas. Non, mais il compte pas le poisson, je m'en fous. Mais un grub qui va me freiner ma descente au maximum. Voilà, tête qu'il a. Allez, on va le mesurer vite fait, lui. T'es prêt? Yes. 1, 2, 3, hop. Ça. Nous rentre au bois. Par contre, lui, il doit être maîtré, je pense. Il est grand.
Qui, moi? Kono, là je suis au bout. Voilà, lui par contre c'est un... Attends, je sais pas si je suis au bout. Voilà. 110. Allez, petite release. Allez, fais me le montrer de moi. Fouya. Alors ça, en top water, tu me le mets même avec alerte sur surface. Ouais, mais là, ça correspond pas à l'action du... Ben. Ça correspond pas à l'action du jour, quoi. Allez, on va le relâcher vite fait. Hop. Un beau 110, ça fait plaisir, grave. Regarde-moi ce poisson. Il est top, il est top. Une vraie poutre avec des belles couleurs. Beau marquage là dans le clair. Bon, il est pas chaud, hein. On a mis 2 minutes, il va repartir sans vrai. Voilà. Allez, bye bye mon gars. Ça compte pas, mais j'en ai rien à battre. Il s'en bat les m'en fous de vos missions en fait. Je vais juste prendre du plaisir à la pêche. Et là, c'est exactement ce qui vient de se passer. Prendre un beau poisson, c'est toujours sympa. Mais la manière dont on le prend, en fait, et surtout l'image que j'ai là dans cette eau claire, d'un 110 qui arrive tout doucement, qui ouvre un four énorme, et qui t'arrive à ferrer dans le bon timing, ça, ça vaut... tout l'heure du monde. Ça vaut tout l'heure du monde. Un poisson comme ça, ça me refait, même s'il compte pas pour la mission, c'est pas bien grave. Hein. On a gratté 2 poissons là en pêchant, vraiment en allant déposer leur soupe dans les branches. C'est vraiment pas facile. Mais bon. Cru en train de pêcher le bass. Ouais, bah c'est un peu une pêche de bass. Hein, pitcher leur soupe sous les frondaisons, voilà, le laisser tomber gentiment. Ça a fait quelques touches en plus, donc c'était pas une mauvaise idée. Mais il faudra bien en faire en surface. C'est un peu dommage qu'il y ait tout ce vent qui tourbillonne là sans arrêt, c'est quand même pas top pour la surface. Mais bon, pourquoi pas. On a vu qu'il y en avait dans les herbiers qui remontaient assez haut sous la surface. Donc c'est des poissons qui sont postés dans 1, 2 mètres, 2 mètres 20 maxi. Et ceux-là, ils peuvent très bien monter hein, sans problème. Donc on va essayer de faire ça. Je pense que je vais mettre le Rattling Stick de Salmo qui est un stick avec une grosse bille unique qui fait un son très sourd et c'est un leurre que j'aime bien là. J'ai pris depuis quelques jours que je l'ai là, j'ai pris des barres avec, des perches, des brochets, donc il me plaît pas mal, je vais mettre ça. Et ça va ton petit short sauce hawaïenne là? Mais je te le rends pas, il est parfait mon pauvre. Il est un petit peu court alors, ouais, on voit légèrement la marque du bronzage. C'est ça. Mais ça va encore. T'as bronzage coureur, on a l'impression que t'as fait le Tour de France. Mais je l'ai fait. T'as fait un petit pêche. Dans la caravane Fleury Michon. C'est ça. Derrière. C'est ça. C'est pas là leur place normalement. Ta boîte à merdier. C'est mon sac à fluoro. Non, j'ai que du fluoro. Pire qu'un sac à main de gonzesse, ça, dis donc. Mais j'avais un petit coloris blanc que j'ai bien utilisé cette semaine. Et celui-là, j'aime bien le noir. J'ai pris des brocs et des perches avec. Et en particulier dans l'eau très claire comme ça. C'est un coloris qui n'est pas dégueu. De toute façon, c'est soit transparent, soit noir. Donc je suis assez simple dans mes choix. Alors, je vais faire le tour des principaux herbiers qu'on a repérés là. Déjà, il se lance loin. Ah ben, il se lance comme une balle, parce qu'il y a en fait une grosse bille qui part dans le cul du leurre, et du fait, c'est une fléchette. Je peux le lancer contre le vent hyper loin. Ça, c'est intéressant. Et je vais aller me faire les tours d'herbier. Je tire un petit peu quand il y a des obstacles un peu trop flagrants, histoire de m'emmêler. Ah non, je t'ai même pas emmêlé. C'est juste que j'anime comme une merde. L'animation, justement, sur les brochets, je la fais un peu différente des perches. Les perches, je vais avoir tendance à aller très vite, enfin, aller vite, on va dire, en le faisant aller comme ça, là, en surface. En faisant quelques... Hop, tiens, tu vois, paf. Du fait, j'étais en train d'expliquer l'animation de pêche à la perche. Ouais. Alors, c'est une micro, hein, mais c'est typiquement ce qui plaît aux perches, en fait. Quelque chose qui va assez vite, qu'elles vont avoir du mal à rattraper, ou il va y avoir de la compétition. Et du coup, c'est comme ça qu'on va les attraper. Pour les brochets, au contraire, je vous promets pas de refaire la même, du coup. Et Mireille. Là, ce serait une vraie mireillade. Pour les brochets, je vais aller beaucoup plus lentement. Je vais faire
plus d'embardées, des embardées un petit peu plus longues, et je vais faire des pauses. Alors je peux avoir une récupération continue, hein, mais je préfère faire une récupération beaucoup plus lente et des pauses quand je suis vraiment à proximité de la branche où il va être, ou de l'herbier, ou... ce qui met des fois un peu plus de temps à se décider. Et puis il le rate quand même de temps en temps, les brocs en surface, des fois ça rate, volontairement la plupart du temps, hein. Mais du coup j'aime bien aller plus lentement. Et ça les fait mieux monter, je trouve, cette action lente, que d'aller à fond les ballons, parce que là, on prend que des perches, quoi. Parce que ça, c'est une petite taille, en fait, pour le broc, ça fait 10 ou 11 cm. C'est vraiment pas un gros leurre, mais c'est une très très bonne taille pour les perches. Bah non. Mais c'est censé pas y avoir de glane dans ce putain de plan d'eau, quoi. Venez, on nous a dit, c'est débroché. Tu parles d'une promesse. C'est un bon vieux glane. Bah, je m'en suis douté assez vite parce que c'était trop endurant pour un gros broc. J'ai quand même une canne jerk et puis franchement, je tire. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que tu lui mets? Bon, bah, c'est réciproque, hein. Ouais. On s'aime bien. On pétait la canne. En plus, il doit être piqué sur le dessus de la tête. Oh, je suis dans la peau de Maxime Albert, quoi. Vis ma vie de Maxime Albert. Garde ça, mon gars. Non, c'est pas gros. Il est pas si gros que ça. Ouais, mais bon, il tenait bien le pavé. Ouais, parce qu'il est piqué au-dessus. Ouais. Il est cuit. Bon, bah, tu vas juste le monter dans ton bateau. Ouais. Ah, bah, ça, c'est hors de question déjà. Tu t'aides. Ouais, je suis en souffrance. Bon, allez, je pose la caméra, je vais t'aider. Très bien, ce Fatso, il a pas fait beaucoup de lancers. Hein. Ouais, ouais, mais bon, c'est l'heure du jour. Hein. Ah ouais, grave. Regarde ça, après. Bim. Bon, allez. Tu risques rien, j'ai pas d'ardillon, vas-y, je te regarde. Je pose la caméra. Adieu. If I go to the church and I pray all day, would it make me a holy saint? If I sleep for the night and I don't wake up, will my dreams be here to stay? If the truth is what I really feel, then all I wanna say, promise me one thing, please let the music play. Let the music play! Ah bah ça se bat moins, hein. Bon alors, eh ben on va arrêter là-dessus, c'est encore un petit broc. Du coup j'ai remis le Fatso parce que le top water, j'avais pas de touche. Ils sont pas chauds pour monter, on dirait. Donc j'ai mis un petit broc, j'ai pris ce petit broc là. Après le glane. Sur le 14 cm. Comme quoi la taille du leurre, ça veut pas dire grand chose, hein. Ça reste petit pour un broc. Donc on a passé une bonne journée sur ce plan d'eau, un peu difficile avec des grands moments de creux. Et puis là, ça a l'air de repartir le soir. J'ai fait 7-8 lancers au slider, 3 touches, 2 broches. Au Fatso. Au Fatso. Quelques lancers au Fatso, 3 touches, 3 poissons, 2 brochets, un glane. Donc ça a l'air de se réveiller, mais bon, c'est la fin de la mission. Donc merci bien. Allez-vous. Et puis on se retrouve pour Mission Impossible 12 la prochaine fois. Celle-là était vraiment sympa, le cadre est chouette et
et la mission était faisable. Et on fera une mission impossible 13. Je sais pas, ça craint 13. Hein. 13, je sais pas. On fera une 14 tout de suite. On fera une 12 bis. Allez, ciao. Allez, ciao.